Et d'ailleurs, c'est vrai que quand je tiens juste à ajouter cela, quand vous parliez donc du coup de cette expression de toujours l'homme qui prend, il y a un mot qui est arrivé il y a peu de temps qu'on entend encore que dans certains cercles, mais on entend de, j'entends en tout cas moi de mon côté de plus en plus parler de circlusion, qui serait en fait du coup le vagin qui accueille, qui encercle en fait le pénis dans les rapports hétérosexuels. Donc du coup, à voir quelle place va prendre ce mot pour la suite. C'est l'homme qui prend parce que historiquement, et je reviens toujours à Rome, qui est vraiment, comme je vous disais, notre grand-mère, l'amant est comparé à un soldat. Donc il fait la conquête de terre, il fait la conquête de la femme, il la prend, il la possède. Et c'est vrai qu'on exclut cette dimension de la femme entourant le sexe de l'homme parce que ça lui donnerait trop de pouvoir et ce serait probablement anxiogène pour les hommes.